fini mes études au cégep de Sherbrooke entre 1977 et 1980. C'est vers la fin là, de mon DEC, j'ai rencontré une professeure, Carole Melançon, dans un cours de publicité. Et puis, elle a vraiment influencé le reste de ma carrière. C'est elle qui m'a fait prendre conscience que j'aimerais peut-être le marketing, j'aimerais peut-être le comportement du consommateur, j'aimerais peut-être là, ces éléments-là. Et ce qui a fait en sorte que j'ai été là, en administration, option marketing par la suite là, au niveau de l'université. Mais c'était vraiment un moment marquant. Là. Elle m'a vraiment touché, elle m'a rendu passionné de par sa passion à elle, de son métier, de l'information qu'elle nous donnait, de la formation qu'elle nous transmettait. C'est vraiment ce qui m'a animé là, pour le reste de ma carrière. De mes dernières sessions en technique, j'ai eu un cours de développement web. Depuis le début de mon programme de technique, j'avais pas vraiment accroché encore une fois en programmation dans aucun de mes cours, mais ce cours-là en particulier, j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé une passion dans ce cours-là. J'ai trouvé l'accessibilité des plateformes web vraiment incroyable. Puis vraiment, depuis ce temps-là, j'ai continué seulement la programmation web. J'ai orienté ma carrière là-dedans et puis je fais ça depuis les 10 dernières années. La technique d'informatique du cégep est vraiment très, très axée sur l'analyse. Donc, je suis arrivé à l'université vraiment avec une longueur d'avance comparé aux autres élèves qui n'avaient pas fait ce programme-là spécifiquement.